Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch. Nous sommes sur la tour de Lijiang, nous sommes dans l'événement de l'année du coq. Et je vais prendre dans cet épisode Winston. Dans l'objectif donc de capturer le plus rapidement possible le capture drapeau, c'est un mode capture de drapeau tout simplement hein, et donc d'essayer de faire gagner à l'équipe, rejoindre l'exécution d'équipe, d'accord, avec un bouton à droite, nouveau bouton à droite, rejoindre l'exécution d'équipe. Pour ceux qui ne la rejoignent pas ou qui sont en team, qui peuvent simplement rejoindre la discussion d'équipe en team je pense avec leur chef de groupe. Ok, voilà. Donc nous sommes dans ce mode choc disponible uniquement pendant, normalement malheureusement, pour la durée de l'événement la nouvelle année du coq. Un mode de capture drapeau qui a été extrêmement demandé par les joueurs hein, tout au long du développement d'Overwatch et de son, bah, de son année de fonctionnement, on va dire, parce que ça va faire plus d'un an qu'Overwatch. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir. Oh, je sais pas, on va bien voir s'il y a un événement. Nous sommes. C'est quoi cet endroit? Oh, nouvelle map! Nouvelle map! En tout cas, nouvelle. Alors, c'est la première fois pour moi aussi, chers amis. Hein. Donc, effectivement. Ah non, nouveau bâtiment dans lequel on entre, en fait. D'accord, ok. Génial. Allons-y. Ok, de 1. Oh là, il y a un Hanzo là. Notre objectif sera bientôt aux mains de l'ennemi. Ah la vache. Ah, on n'a pas de chance. Éjectez ces clones de ma position. Putain. Ah. Ah merde. D'accord. Ah, faut dire là, il n'y avait personne pour couvrir. Hein. Allez, prenez leur drapeau. Allez, on doit prendre le contrôle de la position. L'ennemi a pris votre drapeau. Quoi? Allez, chope-le. Putain, mais chope-le. Fais quelque chose. Oh la gueule. Mais non, mais je sais pas ce qu'il fout lui là. Il sprintait même pas. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué. Des expérimentations plus poussées sont nécessaires. Il y a zéro défense. Mais putain, mais non. Pas encore. Oh putain, mais je suis tout seul, j'ai l'impression d'être tout seul à jouer. Mais merde, j'ai l'impression de jouer tout seul, c'est quoi ce bordel? Comment il a fait pour se retrouver là? Allez! Mais faites quelque chose, mon dieu! Ah bah voilà, c'est mort parce qu'on pourra jamais les rattraper, bizarrement. Allez! Putain, mais... Putain, mais je peux... C'est impossible! C'est impossible! C'est impossible! En fait, il n'y a aucun moyen de recapturer le drapeau derrière. Aucun! C'est fou! Non, bah ça m'intéresse pas de voir l'action de la partie, tu vois. Là, je suis dégoûté de ce mode dès la première partie. Puisqu'en fait, il y avait aucun moyen. Aucun. On peut pas rattraper l'adversaire. Enfin. Non, je comprends pas. Je comprends pas. Non, j'arrive pas à concevoir le truc. Enfin, je sais pas. Enfin, normalement, avoir le drapeau en soi,
Ça devrait être quelque chose de compliqué, enfin, qui complique la partie. Par exemple, je me rappelle, moi, en capture de drapeau sur Halo 3, on n'avait plus d'armes. Donc, du coup, je vois pas pourquoi je vois la diva booster ou utiliser son clic droit. Enfin, c'est trop facile. La diva, elle booste tout le temps, puis c'est bon. Moi, j'ai aucun moyen de la rattraper avec mon... C'est quoi ce bordel? À partir du moment où c'est diva qui l'a, c'est... Ah, je suis dégoûté. Honnêtement, je suis dégoûté, là, chers amis. Ce mode m'a un petit peu... Là, déjà, dès la première partie, ben, j'ai pas compris l'intérêt. J'ai absolument pas compris l'intérêt, parce que... On a bien vu, dès que la personne arrive à avoir le drapeau, c'est fini. Il y a quasiment aucun moyen, si c'est un tank, de l'avoir. Donc, on va réessayer avec diva, nous, hein. Mais je comprends pas. Pour le coup, j'ai pas compris. J'ai l'impression que c'est pas encore au point, leur histoire. Enfin, c'est comme ça. Enfin, le principe de la capture du drapeau, c'est de venir capturer le drapeau et d'avoir normalement tout le trajet avec des risques. Mais là, il y a aucun risque. Enfin, c'est à l'opposé de ce qui est censé être une capture de drapeau. C'est mal fichu. Alors, est-ce que c'est pour dire à ceux qui apprécient le... Le mode capture drapeau dans notre jeu, de dire qu'il n'y en aura pas et d'en mettre un pourri exprès, parce que là franchement, c'est pas que c'est pourri, c'est que ça va à l'encontre, je mets le salt, hein, parce que ça correspond à ce qui se passe en ce moment, hein, mais ça va à l'encontre de ce qui est censé être un capture de drapeau. 5, 4, 3, 2, normalement c'est avoir le drapeau qui est dangereux. Ah bah bien, il y a déjà un lever en face. Ok. Merde. Ah la vache, ils sont tous là. La vache. Ok. Ok. Mais non. Il me faut des soins. Il me faut des soins. Merci bien. Hop. Il me faut des soins. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Rejoignez-moi. La partie commence. Tour à l'ennemi droit devant. Ok, c'était une mauvaise idée. Mauvaise idée, Marcus. Oh la vache. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. J'ai l'impression que ce mode n'a pas d'intérêt. Honnêtement, là... Encore moins sous sa... Enfin, c'est... Je veux dire, c'est... Je sais pas. Là, il n'y avait pas d'un... Enfin... Sur ce... Putain, il était là. Ok. Y a pas assez d'attaque de toute façon. Faudrait que je récupère mon mecha. Ils viennent pas. Ok. Excusez-moi.
Pourquoi personne n'est venu? Ok. Ah la vache, il y avait la tourelle encore. Et j'ai posé mon truc. Ah oui, d'accord, j'ai posé mon truc directement dedans. Comme un abruti. Il l'a vu. D'accord, ok. J'étais un abruti fini. C'est pas grave. Allez, on retourne chercher un petit peu d'ulti. D'accord, en fait, ils ont rajouté ça à toutes les... Pourquoi pas? Hop. Ok, où est le Reinhardt? Ok. Ah la vache! Opérationnel à 100%. Vite, récupère de l'ulti, Marcus. Allez, hop. Hop. Parfait, on a obtenu un. Ok. Ok. C'est tout ce dont on avait besoin. Ok. Il peut pas être partout. Ah merde. Il n'y a pas suffisamment de heal là. Allez. Hop. Voilà. Un petit peu d'amour, que diable. Bon, alors apparemment, c'est très 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 situationnel. J'ai pensé un truc en même temps, chers amis. Comment ça se fait? Moi, j'aime... Enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec ce principe. Les maps étant extrêmement petites, je trouve que la défense d'un point est bien choisie. Parce que bon, mettre le point au milieu, ça aurait été un gros bordel. Bon, je sais pas. Allez, on va mettre des points à celui-là. Il va être bien heureux. On va ouvrir notre coffre, chers amis. On va ouvrir notre coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du caca. C'est dommage. On en est où dans l'épisode? On en a combien de temps? 15 minutes, on va en faire une dernière. Un dernier petit capture du coq. Hop. Et sur lequel je vais essayer de prendre... peut-être pas Diva.
justement. Mais Reinhardt, peut-être. Je ne sais pas, on verra. On verra, on verra. Tout fonctionne bien par là. Ok. De Zenyatta, carrément. Ça lui va bien aussi, ça. Mais bon. On va bien voir. Et on va essayer d'activer les différentes emotes. Ou alors je récupère Diva encore une fois. Diva. Diva, c'est plus fort que toi. Crac. Je joue MDR. Je joue pour gagner. Voilà. Oh ouais. Et voilà. Ensuite. Ok. Et je pense qu'on pourra s'acheter ça prochainement quand on aura les 10 points supplémentaires. Hein. Voilà. Bon. Moi, Diva, c'est un personnage que j'ai beaucoup joué dans cette saison. En tout cas, saison de Ranked. Même si apparemment le Ranked a été un petit peu oublié par les gens parce que voilà, trop de toxicité. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est malheureusement comme ça. On n'y peut rien, hein, chers amis. Donc bon. C'est triste. C'est triste, c'est triste que les gens soient aussi promptes à s'agresser les uns les autres. Vous pouvez garder pour vous ce genre de toxicité. Vous pouvez ne, là, par exemple, moi je l'ai dit au micro, mais je ne la dis pas aux gens, parce que la dire aux gens, ça crée encore plus de conflits. Vous pouvez être salty et tout ça, mais gardez-le pour vous, ne serait-ce que dans votre tête, ou dites-le à voix haute si vous préférez. Moi je le dis à voix haute parce que je suis censé dire à voix haute tout ce que je pense quand je joue en vidéo. Du coup voilà, mais tout ce que je pense, attention c'est un bien grand mot, hein, tout ce que je pense à l'instant. C'est... J'essaie de le plus instantané possible. Mais bon. Comment ça se fait que je trouve pas de partie? Ça ne devrait pas être aussi long. Ça ne devrait pas être aussi long. Du coup, on va en profiter pour équiper d'autres personnages comme il faut. Galerie de héros. Moi, j'aime bien jouer Reinhardt aussi. Reinhardt qui est ici. Genou à terre. Lancer de citrouille, tu m'étonnes. Et du coup, maintenant, il faudra que je prenne éclat de rire. On va le mettre à l'opposé, hein. Réplique. On a peur de m'affronter. Laissez-moi vous montrer. Ah, j'ai pas eu le temps, quel dommage. Alors, Jardin de Lijang. Hop, voilà, je l'ai pris. En une demi-seconde, ça a été rapide. Alors, comment je suis censé... D'accord. Oh, d'accord. Ok. Pourquoi il me suce? Il est triste cet homme. Ok. Bon bah. Voilà. Choisissez votre héros. Heisenberg! Tu fais même partie de mes vidéos Overwatch! C'est la fête! C'est la fête! Du slip! Bon, ok. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de bien cette fois-ci ou pas? Donc on a deux personnages qui vont vite. Un personnage qui se déplace bizarrement. Je considère que c'est Exia, hein. On n'a plus qu'un personnage qui se déplace avec un boost, moi. Reinhardt, il va être tanky, j'imagine, mais bon. Je sais pas s'il est viable, parce qu'à partir du moment où le drapeau est mis, tout le monde se dirige vers le personnage. On a un petit peu de heal et... Enfin, un boost de vitesse et du heal, pardon, on dit beaucoup de heal. Un boost de dégâts aussi intéressant sur Zenyatta. Ok. Donc je rappelle que Diva a son écran de protection, a des munitions illimitées en spread. Un boost, et puis c'est tout, et puis un ulti qui lui permet de, comment, d'exploser. Une fois que son mecha est mort, elle se déplace à pied sans avoir la moindre compétence, juste avec un pistolet classique. Attends! Ok. 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 Okay.
Ah la vache. Je pensais que j'aurais le temps de le buter, mais non. Malheureusement non. Ah c'est dommage, on a loupé l'ulti de Lucio. Il vient tout juste de l'avoir. C'est vraiment dommage. Ok, on y retourne. On a plus ou moins l'ascendant, hein. Ah la vache. Ah la vache. Voilà. Fais chier. T'as du bol, t'es fait soigner par ton. J'ai besoin de soin. Ah ah. Je vais faire grimper les APM. Ah la vache. Oh, oh joli. Joli, joli, joli. Squeak, joli. Par contre, ouais, on a l'impression qu'on n'est pas. Qu'on n'est pas aidé. Ah putain, on a perdu notre île. Mais non. Heisenberg, pourquoi? Turboréacteur enclenché. On avait un... On avait une chance. Il nous fallait un île offensif et... Oh merde. Putain, elle a survécu. Oh la vache. J'avais oublié que les personnages pouvaient se déplacer en l'air. Ce qui est bien dommage. Ce qui est bien 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 dommage. Squeak s'est suicidé. Ah non, c'est notre équipe qui l'a. Bah où est-ce qu'il est ? Au secours! Mets ton shield! Mais recule pas! Quoi? Oh non! Je suis en... Ah! Oh! Quel dommage! J'étais en clic droit. Comment il a pu me mettre des dégâts? Ou alors c'est ça. Même pas, on a bien vu que non. Alors c'est peut-être le... Hop, play of the game. Je vais devoir me défendre. Compris, c'est moi.
Fallait la faire. Oui. Ok. Et voyez, par principe, je sais pas si on devrait win, parce que là, 30 secondes pour ramener le deux drapeaux. Oh la vache. Hop. Parfait. Oh bah il l'a ramené, dis donc. Oh le sac. Oh le sac. Oh la vache. Notre Heisenberg qui a fait la... le café. Bon, ça c'est moi forcément, hein. Hop, ça c'est fait. Merci, merci, merci. Bon, bah c'était cool, finalement. Mais c'est un mode qui est... Enfin, qui est particulier, hein, qui est vraiment très très particulier. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu du mal sur la première partie. Parce que finalement, on a été hyper offensif. Alors que finalement, c'est peut-être les coureurs qui devraient y aller, quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!